Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des roses des sables, un dessert ou un goûter, très sympa à faire avec les enfants. Pour cela, il vous faut 170 g de cornflakes, 200 g de végétaline, 250 g de chocolat et 250 g de sucre glace. Première étape, on commence par mettre la végétaline dans la casserole à feu doux. On attend qu'elle soit fondue. Puis on rajoute le chocolat coupé en morceaux. J'attends que le tout soit fondu et homogène. Je peux mélanger pour aider à rendre la mixture homogène. Une fois que le mélange est homogène, on le verse dans le plat, puis on attend 2 ou 3 minutes que le tout refroidisse. Pendant que le mélange refroidit, vous pouvez préparer un plateau en le recouvrant de papier d'aluminium ou de papier sulfurisé pour ensuite pouvoir déposer les petits paquets du mélange. Une fois 3 minutes passées, le mélange a refroidi et on peut ajouter le sucre glace. Il va maintenant falloir remélanger afin d'avoir à nouveau un mélange homogène avec le sucre glace en plus. La recette est bientôt terminée, il vous faut maintenant ajouter les cornflakes à votre mélange. Vous allez encore une fois mélanger le tout en essayant de ne pas casser les cornflakes. Une fois que tous les cornflakes sont recouverts de chocolat, il vous reste juste une étape. Vous faites des petits tas avec une cuillère que vous déposez sur le plateau. Vous avez attendu une petite demi-heure et vos roses des sables sont prêtes à être dégustées. À bientôt et bon appétit !